Vous êtes à la recherche d'une scie sauteuse de la marque Makita en 2024. Chez Good Deal, on vous a sélectionné trois scie sauteuses de cette marque sur Amazon, regroupant des notes minimum de 4 étoiles sur 5, classées à des prix à un prix croissant. Effectivement, dans ce comparatif, vous aurez la moins chère en premier et la plus chère à la fin de la vidéo. On vous a sélectionné ces scie sauteuses de la marque Makita parce que Makita, c'est vraiment une très très bonne marque destinée aux professionnels de la menuiserie, aux professionnels du bâtiment en général. Et c'est pour ça qu'on vous a fait ce comparatif parce que concrètement, on est vraiment sur du matériel de grande qualité. Si vous souhaitez acheter dès maintenant l'une des scie sauteuses que l'on va vous présenter dans ce comparatif, on vous invite à cliquer sur les liens correspondants à chaque article en description, ce qui vous permettra de vous les procurer dès aujourd'hui. En troisième position, on vous a sélectionné la scie sauteuse Makita 4329K. Cette scie sauteuse donc vous propose une puissance de 450 watts qui vous permettra tout simplement d'avoir une très très bonne capacité de coupe. Au niveau des dimensions, on est sur 22 par 7 par 19 cm. C'est quelque chose d'assez compact, c'est une taille de scie sauteuse vraiment classique. Vous pourrez couper toutes sortes de matériaux comme le plastique, la fonte, le bois, l'aluminium. Tout diffère en fonction de la lame que vous utiliserez bien évidemment. Vous pourrez la régler pour couper de biais ou tout simplement tout droit. Effectivement, cette scie sauteuse, elle vous propose vraiment une ergonomie top puisqu'on est sur un revêtement soft grip au niveau du dessus qui vous permettra d'avoir vraiment une très grande précision. On n'est pas sur une scie sauteuse à batterie, une scie sauteuse qui se branche directement au courant électrique. Donc ça, c'est plutôt pratique puisque vous aurez un article qui permettra, qui aura vraiment une très grande puissance et une puissance bien plus supérieure que les autres articles à batterie. On est sur un poids de 2 kg qui vous permettra vraiment de jouer encore sur l'ergonomie et la maniabilité de cet outil, ce qui en sont vraiment une très grande force, ce qui vous permettra tout simplement de couper votre matériau pendant de longues périodes sans vraiment ressentir de fatigue ou de douleur au niveau du poignet, puisque vraiment l'ergonomie est faite pour ça. Et de plus, elle vous propose vraiment une qualité de fabrication intéressante, dans le sens où vous avez une molette de vitesse variable au niveau du dessus qui vous permettra de faire ça à un doigt, et son changement de lame se fait sans outil. Donc ça, c'est vraiment top. On a une précision qui est notée 4,6 étoiles, un rapport qualité-prix noté 4,4 et une portabilité notée 4 étoiles. On est donc sur une note produit globale de 4,4 étoiles pour 106 évaluations. Tout ça pour un prix avoisinant les 85€. En deuxième position, on vous a sélectionné la scie sauteuse Makita DJV180Z. Celle-ci vous propose un côté un peu plus ergonomique puisqu'effectivement, comme vous pouvez le voir à l'image, la scie sauteuse vous propose un revêtement en soft grip sur la totalité du dessus de la scie qui vous permettra vraiment de positionner vos mains comme vous le voudrez pour avoir la meilleure maniabilité possible et surtout pour l'adapter à vous. Vous pourrez couper toutes sortes de matériaux, tout ça va dépendre de la lame que vous utilisez. Évidemment, renseignez-vous avant d'acheter une lame et avant de l'utiliser, puisque certaines seront adaptées pour le bois, d'autres seront adaptées pour l'acier, etc. Donc on vous invite à vous informer. De plus, au niveau des dimensions du produit, on est sur 12 par 3,4 par 8,9 cm, un peu plus compact que la précédente, ce qui en fait vraiment un outil qui est bien plus maniable et bien plus ergonomique que la précédente, puisque celle-ci, vous pourrez la prendre à deux mains sans aucun effort pour vous, puisqu'effectivement, la dernière, si vous la prenez à deux mains, on sera sur vous allez vous gêner au niveau de la molette puisqu'elle est vers l'avant. Le changement de lame pour celle-ci se fait avec une clé, malheureusement. Bon, après la clé est fournie avec le kit de livraison. Vous aurez dans ce kit un ensemble de lames pour permettre de vous couper du bois, du plastique, de l'acier sans aucun effort pour elle. Elle vous propose une assez bonne puissance moteur avec celle-ci n'est pas en fil mais elle fonctionne sur base. Donc on vous invite évidemment à acheter à côté des batteries et un chargeur de batterie. On vous a mis le lien en description qui vous permettra de vous rediriger vers une offre où vous pourrez choisir justement des kits avec batterie qui seront forcément un petit peu plus chers puisque vous avez un peu plus de matériel. Au niveau de la note, on est sur 4,7 étoiles pour 5647 évaluations pour un prix avoisinant les 155€. En première position, on vous a choisi la scie sauteuse Makita DJV181Z. Donc toujours une scie sauteuse sur batterie. Celle-ci vous propose vraiment une très bonne puissance moteur qui vous permettra de couper toutes sortes de matériaux sans aucun effort pour elle. Au niveau des dimensions, on est un peu plus mastoc que la précédente avec 30 cm par 7,7 par 19 cm de dimension pour atteindre une vitesse de 3500 tours par minute pour un poids global de 2,4 kg. On est sur un poids vraiment
vraiment dans la norme des scie sauteuses, ce qui vous permettra d'avoir une très grande maniabilité, une très bonne prise en main. Effectivement, elle a un petit côté surélevé au niveau du dessus pour vous permettre de mettre votre main, pour avoir la prise en main que vous souhaitez, pour vraiment avoir la meilleure précision possible pour l'utilisation. Vous avez une molette à l'arrière pour gérer la vitesse de rotation, enfin je dirais la vitesse de coupe. Pour ce qui est des boutons, vous avez un bouton pour l'allumer, un bouton pour bloquer la coupe, donc ce qui va vous permettre de vraiment de tout simplement garder le contrôle sur la coupe directement et être le plus précis possible sans avoir à jauger la vitesse de coupe. Et ça, c'est vraiment top. Au niveau de la note du produit, la solidité est notée 4,7 étoiles, précision 4,7, maniabilité 4,4, rapport qualité-prix 4,4, pour une note globale du produit à 4,7 étoiles pour 4211 évaluations. Et tout ça pour un prix autour de 200€. On est donc sur un produit de très haute gamme qui sera vraiment utile pour toutes les personnes qui souhaitent du matériel de haute qualité qui leur durera des dizaines d'années, donc que ce soit pour les professionnels ou les gros amateurs de bricolage qui souhaitent investir. C'est ainsi que cette vidéo sur les 3 meilleures scie sauteuses de la marque Makita en 2024 s'achève. Comme d'habitude, Good Deal vous a sélectionné les meilleurs produits avec les meilleurs rapports qualité-prix. Si vous souhaitez vous informer sur l'un des articles présentés et profiter des super prix de Good Deals, je vous rappelle que l'ensemble des liens sont toujours disponibles en description. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, c'était Good Deals, bye bye.